Aloha, mana aloha et bienvenue. Bienvenue à tous les gens dont l'esprit, la conscience et le cœur s'éveillent et bienvenue à tous les gens qui s'éveillent en général au développement personnel. Alors, beaucoup de gratitude, une immense gratitude à tous les commentaires de soutien, d'amour que vous m'envoyez dans tous vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup parce que vous savez que je fais les choses avec passion, je fais les choses avec amour et générosité et je mets de l'amour dans tout ce que je fais, dans mes formations, mes séminaires, également quand je fais des vidéos. J'ai toujours une intention d'amour et de faire progresser les gens. Retenez l'intention principale si vous êtes dans le développement personnel, vous accompagnez les gens, ayez toujours une intention d'accroissement des gens que vous accompagnez. Cherchez à permettre aux gens de croître dans tout ce qu'ils font et vous allez recevoir en retour un accroissement extraordinaire de l'univers, car la vie est au service de ceux qui sont au service des autres. Alors merci et merci du fond du cœur pour tous vos témoignages. Parce que c'est vraiment incroyable et extraordinaire ce que nous vivons sur cette chaîne. Tous ces commentaires pleins d'amour et surtout 200 abonnés, vous imaginez, par jour, 200 abonnés par jour en plein été. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que la philosophie hawaïenne touche les gens au fond du cœur, ce qu'on appelle le aloha, parce qu'elle correspond vraiment à une recherche de notre société actuelle. De pouvoir allier au côté pragmatique des occidentaux une sagesse millénaire authentique basée sur l'être et non sur l'avoir. Comment on peut faire en sorte d'être aligné entre nos plus profonds désirs et dans une certaine façon d'être. Alors si vous êtes sur cette chaîne, si vous vous intéressez au développement personnel, voilà, et dans toute formation, dans toute vidéo développement personnel, on va vous parler d'objectifs en 7 étapes, de pouvoir classer votre intention, de pouvoir vous motiver, de pouvoir mettre les différentes étapes pour arriver à votre but. On est toujours dans le faire, toujours dans le faire, toujours dans mettre des intentions, mettre des choses, mais au bout du compte, ce que je perçois, c'est qu'il y a peu de gens qui évoluent, qui changent suite à ces séminaires. Quand je vois des gens 2 ans après les formations qu'ils ont fait de PNL ou de coaching, ils n'ont pas évolué dans leur vraie vie. Parce que ce qui est important, c'est pas le développement de l'ego, comme le propose le développement personnel tel qu'il est aujourd'hui enseigné dans toutes les vidéos, on est dans le développement de l'ego, c'est qu'à un moment donné, c'est pas un développement horizontal qu'il faut avoir. Il faut avoir aussi un développement de la conscience. C'est ce développement vertical de la conscience qui va permettre à toutes les techniques que vous apprenez ailleurs, en PNL, en coaching ou autre, de pouvoir vous réaliser. Si vous n'avez pas cette ouverture de conscience, si vous n'avez pas cette ouverture de cœur, eh bien vous développez l'ego, mais vous n'avez pas les résultats escomptés. C'est pour ça que les vidéos qui suivent sont une véritable révolution, parce qu'elles vont vous permettre, au-delà de tout un tas de techniques, de travailler l'être, parce que c'est l'être essentiel, le soi supérieur, qui vous permettra d'avoir des résultats dans votre vie. Alors vous êtes comme vous l'avez perçu, et avec tous les séminaires que je vais animer, les webinaires, au début d'une révolution qui a déjà commencé aux États-Unis, c'est-à-dire que toutes les formations de développement personnel aux États-Unis sont en train de s'arrêter. On va vers des séminaires, des formations pour aller mieux dans sa vie, parce que c'est quand on est dans le bien-être qu'on vibre le bien-être, qu'on peut vibrer et avoir des résultats. On ne peut pas avoir des résultats quand on n'est pas dans le bien-être, et le plus, le mieux vont disparaître au profit d'être aligné avec le bien-être et la gratitude. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur dans toutes les vidéos que vous allez pouvoir voir maintenant, et je vous dis marourou à vous pour tous vos commentaires et tout l'amour que vous manifestez dans cette chaîne. À très bientôt. Merci. Nana.
trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dream that you did to. Je t'aime profondément et je suis désolé de te faire vivre certains blocages qui m'empêchent d'évoluer. Je suis désolé, vraiment désolé de m'empêcher d'avoir plus de succès dans la vie. Pardonne-moi de ne pas être aligné avec la réussite. Pardonne-moi, s'il te plaît, de ne pas croire que je mérite le succès dans ma vie. Merci. Je t'aime. Je t'aime et je me connecte à ma divinité en moi et lui présente mes projets, mes objectifs. Je demande la transmutation divine des mémoires erronées qui m'empêchent d'avoir du succès dans la vie. Je demande la transmutation divine des mémoires erronées qui pourraient perturber mon évolution professionnelle et financière. Je demande la transmutation divine des mémoires erronées depuis leur origine première qui m'empêchent de progresser dans la vie. Je demande la transmutation de toutes ces mémoires erronées en de merveilleuses énergies positives de succès, réussite et bonheur pour moi et ceux que j'aime. Merci, merci. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci, merci, merci. Mana Aloha. J'ai l'intention d'avoir du succès dans ma vie. J'ai l'intention que je mérite ce succès. Car j'ai bloqué le succès jusqu'à présent et je ne l'ai pas désiré suffisamment, ardemment et clairement. Une partie de moi pense que je ne le mérite pas. Je t'aime. Je suis désolé et je vais m'accepter dorénavant dans toute ma totalité avec toutes ces parties qui se battaient entre elles et s'auto-sabotaient. Pardonne-moi s'il te plaît. Je leur demande de faire la paix maintenant. Je choisis de m'aimer infiniment. Merci, 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 je t'aime. J'ai de plus en plus de succès. C'est génial d'avoir de plus en plus de succès. Quel bonheur d'avoir du succès. J'adore d'avoir de plus en plus de succès. Des succès professionnels, des succès personnels, des succès relationnels, des succès sentimentaux, des succès financiers, des succès tous les jours, de plus en plus de succès. Merci, merci, merci. Je t'aime profondément. Car j'ai bloqué le succès jusqu'à présent et je ne l'ai pas désiré suffisamment, ardemment et clairement. Une partie de moi pense que je ne le mérite pas.
je t'aime. Je suis désolé et je vais m'accepter dorénavant dans toute ma totalité avec toutes ces parties qui se battaient entre elles et s'auto-sabotaient. Pardonne-moi s'il te plaît. Je leur demande de faire la paix maintenant. Je choisis de m'aimer infiniment. Merci, 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 je t'aime. J'ai de plus en plus de succès. C'est génial d'avoir de plus en plus de succès. Quel bonheur d'avoir du succès. J'adore d'avoir de plus en plus de succès. Des succès professionnels, des succès personnels, des succès relationnels, des succès sentimentaux, des succès financiers, des succès tous les jours, de plus en plus de succès. Merci, merci, merci. Je t'aime profondément. Car j'ai bloqué le succès jusqu'à présent et je ne l'ai pas désiré suffisamment, ardemment et clairement. Une partie de moi pense que je ne le mérite pas. Je t'aime. Je suis désolé et je vais m'accepter dorénavant dans toute ma totalité avec toutes ces parties qui se battaient entre elles et s'auto-sabotaient. Pardonne-moi s'il te plaît. Je leur demande de faire la paix maintenant. Je choisis de m'aimer infiniment. Merci, 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 je t'aime. J'ai de plus en plus de succès. C'est génial d'avoir de plus en plus de succès. Quel bonheur d'avoir du succès. J'adore d'avoir de plus en plus de succès. Des succès professionnels, des succès personnels, des succès relationnels, des succès sentimentaux, des succès financiers, des succès tous les jours, de plus en plus de succès. Merci, 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 je t'aime profondément. Je t'aime profondément. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, dites « Je t'aime, je t'aime ». Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme, oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi
ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Pretty in the sky are also on the faces
people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where